C'est pour louer l'Éternel pour tout ce qui ne cesse de faire pour nous. Et zali pour na kokumi sankolo na oyonso azali kosala kati na biso. La Bible dit dans Psaume 150. Biblie lobi na Psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Kumi san zambe na etumbelo na ye pe louez-le dans l'éclat, où éclate sa puissance, l'étendue où éclate sa puissance. Et si ka oyonguya naye ezali komonisama. Louez-le pour ses hauts faits. Kumisaye pona bolamu naye. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Kumisaye pona nguya ya monene naye. Louez-le au son de la trompette. Kumisaye na kobeta kelelo. Louez-le avec des luttes et de la harpe. Kumisaye na banzenze. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Kumisankolo. Mon Dieu, puis près de toi, puis près de toi, c'est le monde de ma foi, puis près de toi. Désormais, le Dieu Tout-Puissant, Zambé Nalola, Zambé Nanguya, le Père Éternel, Tata Nalibela, toi qui tiens toutes choses dans tes mains, yo, oh, Simbi, Nyosan, Mabokona, yo, qui nous conduit selon ta volonté, yo, oh, Yabakibiso, Kokokana Mokana, yo, ne permet pas que le mal nous arrive, yo, Zaykope Sanzela, t'es ma belle comme elle a dit, j'ai voulu qu'aujourd'hui, Seigneur, Olingé, t'es les longs colos, nous puissions nous retrouver ici, et t'es tout quoi, Zano, ici, car, pour glorifier ton Saint-Nom, donc ce message, Seigneur, est adressé à tous ceux qui sont dans le monde entier, oh, yo, et Sengeli, Panzana. Sois avec nos pères. Bénis-nous en toutes choses. Lorsque nous allons
terminer cette réunion. Ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés. Ceux qui sont liés soient libérés au nom de Jésus. Que ta volonté, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Que tu bénisses chacun, Seigneur, qui a prié pour moi. Moi aussi, j'ai prié pour lui. Seigneur, n'oublie pas le peuple du plein évangile. Répandu dans le monde entier. Et je prie pour eux. Je prie pour tous les frères. Toutes les sœurs. Que ta grâce soit sur eux. Que cet évangile, Père, puisse avoir la prémacie sur nous. Que nous soyons soumis à Dieu. Parce que Dieu est la parole. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bénis toutes les familles des enfants de Dieu. Qui sont en difficulté dans les hôpitaux. Répands ta grâce. Et puis pardonnez nos péchés. Amen. De toute la semaine. Oui, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous allons prendre nos Bibles, si vous les avez ici. Et tous les frères et toutes les sœurs qui sont connectés à l'internet ce matin, vous qui êtes en train de nous suivre, nous vous demandons de prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons lire ce matin dans le livre de Genèse. Nous lirons Genèse chapitre 27. Et nous allons commencer notre lecture à partir du premier verset. Parce que nous avons des bonnes choses que nous allons, n'est-ce pas, sculpter là-bas dedans. Amen. 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 Genèse chapitre 27. La Bible dit. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Isaac a commencé à mokolo qui n'a été mis son aïe zali qui n'a pas pu accomplir les sous-soutes. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit. Abenga qui mona naie ya yambo Esaü alobi naie. Mon fils, et il lui dit, il lui répondit, me voici. Alobi était mona nanga ipe mona yanoli papa ngaye. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Isaac alobi était nakomi mokolo. Je ne connais pas le jour de ma mort. Naiebi mokolo eliwa nangaite. Maintenant donc je te prie. Sikawa na sengi na yo. Prends tes armes. Zwa munduki na yo penza. Ton kargwa. Et ton arc. Zwape et flèche na yo. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Kende na zamba pe obomelangai nyama. Fais-moi un mets comme j'aime. Sale langai penza lo lenge onga na lingaka. Et apporte-le-moi à manger. Pe me melangai na lia. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Simba ete eli monangai ko kopambola yo sima ya kolia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe apambola lilo bana ye. Et que Dieu vous bénisse tous. Zambe apambola bino nyonso. Vous pouvez vous asseoir, mes amis. Et ceux qui sont là-bas, vous pouvez être à l'aise. Et je crois que vous connaissez bien l'internet, l'interprète, ceux qui sont connectés. C'est bien le frère Luc que vous connaissez bien. À l'internet, les frères qui sont au Gabon. Bandeko, vous allez na Gabon, boyebie malamu. Il a été l'un de vous. Azali, azali ki moko na bino. Il est allé en Afrique du Sud. Akenda ki na Afrika angeleka. Et il est allé même au Brésil. Akenda ki aki non na Brésil. Il est revenu ici. Pe azongi lisusu awa. C'est un frère que j'aime bien. Azali ndeko o na linga kamingi. Il a vécu une expérience merveilleuse. Aleki saki penza o ezali bonobi ko moko malamu. Là-bas au Gabon. Kuna na Gabon. Et tu as sa manière de faire les choses. Zambe azali na lolenge na ye asala kama kambo. Alors ce matin, Dango na tongo oyo, j'aimerais apporter un message qui serait très bien. Je l'ai intitulé l'aveugle Isaac. Non, pas Bartimée, Isaac. Isaac. L'aveugle Isaac. Isaac. Ou bien Topé.
En d'autres termes, un géant sur les traces du juste. Un géant sur les traces du juste. L'aveugle Isaac. Et dans l'aveugle Isaac, nous avons un géant sur les traces du juste. Kati na mokufeli miso o ezali Isaque tozali na ngambe o aze kotambola na matambe ya bato na sembo. Ah oui, là tu as bien interprété ça. Amen. Alors la fois passée, nous sommes en train d'étudier sur le mystère des origines. Mikolo elekaki tozalaki koyekola o ezali mabomba mi oyo penza ya ebandeli penza. Et la plupart des frères, des gens qui sont en internet qui me suivent directement, ils ont aimé tellement. Les gens m'ont jeté des fleurs et ils sont très contents. Kino lobby babo kelinga penza ba fe fololo basali penza ne sengo. Ils m'ont dit que ce sont des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Ba lobby tezali makambo oyo matoyi nanu yokate. Je dis mais pourtant c'est dans la Bible. Na lobby ka sezali kati na Bible. Et nous avions, n'est-ce pas, commencé à parler depuis ce longtemps sur les origines. Nous avions parlé de l'origine de Dieu. Et nous avons aussi parlé de l'origine de l'homme. Nous avons parlé de l'origine du monde. Ou soit du cosmos. Et nous avons parlé aussi des origines des géants dans la Bible. Et nous avons vu que les géants de la Bible proviennent, n'est-ce pas, de la postérité de Seth avec de Caïn avec sa sœur. Tomoni pensate e bandeli ya baingambe e wuti na libota ya Caïn pe na Seth. Et je vous ai montré lorsque Dieu avait chassé Caïn du jardin d'Eden. Totali ete ndengeni nzambe abenganaki Caïn kati. Caïn avait pris sa sœur. Nelanga Caïn zoki ndekona ya mosi. Sa sœur de même mère. Ndekona ye pensa oyo leki na ye ya mama. Ils sont partis dans le pays, n'est-ce pas, de Nod. Pe bakendaki bakei na libota ya Nod ya Nod. Le pays de Nod, c'est là où Dieu les avait chassés. Botaya Nod de Kunande Sikanzamba Bengana Kiba. Dieu les a chassés du jardin d'Eden. Zamba Bengali Bango Katin Eden. Et ils sont allés à l'Orient de l'Eden. Bakendeki Pesa Kunana Souka ya Orient Kunaya Eden. Et je vous ai montré que le jardin d'Eden était en Égypte. Natali Sakibinote et Langa Eden et Zalaki Katin Eden. Et géographiquement parlant, Nalolenge ya Kotala, l'Orient ou bien l'Est de l'Égypte, c'est Israël. Kotala Ete et Souka O Egypte et Zalaki Pesa Israël. Ils étaient dans le pays d'Israël. C'est là où Caïn est allé avec sa sœur. Et leur union ont donné ce qu'on appelle des géants. Des gens de grande taille. Et des gens, n'est-ce pas, qui étaient forts. Et la Bible les appela même les héros. C'était des gens qui avaient la domination sur les autres. Ou des grands dictateurs. Et les gens qui n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Et de ces géants-là sont nés comme des gens comme des Goliaths. Les fils d'Anak. Tous ces géants de l'Ancien Testament. Et nous allons vivre avec vous que lorsque Dieu a donné le pays de Cana aux enfants d'Israël, bien que Dieu avait détruit, n'est-ce pas, toute cette semence, cette génération-là des géants, Dieu a détruit tous les pécheurs, donc ils ne pouvaient plus exister parce que Dieu a détruit le monde avec le déluge. Mais nous avons été surpris que des années plus tard, dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 30, lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, vraiment c'est très dommage, ils ont retrouvé les mêmes géants qui sont là. Ils ont eu peur devant eux, ils ont dit qu'ils avaient de grandes tailles. Alors notre problème était, comment est-ce que ces géants qui furent tués ou bien détruits par Dieu par le déluge, comment est-ce qu'ils sont entrés dans la terre promise?
Et nous avons compris, mes chers amis, que le problème c'était lors de la traversée dans l'arche. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Et nous avons lu le prophète, mes amis, que le messager nous a dit qu'au commencement le péché est rentré dans le monde par la femme. Et cette femme là c'était, n'est-ce pas, Ève. Ève a porté sur elle la semence du serpent, qui n'était rien d'autre que Caïn. Lorsque nous avons lu 1 Jean chapitre 3 verset 12, nous avons compris que Caïn était du malin. Et la Bible ne nous confirme pas que Caïn était du d'Adam. Et lorsqu'on donne la possibilité même d'Adam, dans Genèse 5, vous avez remarqué que Caïn ne se figure pas. Donnez-moi un amen. Parce que Abel est mort. Et Seth est venu après Abel. Et nous avons été surpris de voir que lorsque Moïse, qui écrit la Genèse, donne la description de la postérité de d'Adam, tango Moïse abandaki kokoma biblia pe azai kotalisa penza kokitano ya Abel, il n'a pas fait mention de Caïn. A chaque penza litono te pona Caïna, c'est parce que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Poete Caïna asalaki mwana ya Adam. Caïn était le fils du serpent qui avait incarné Satan. Caïna asalaki penza mboto ya Satan o ebomba makikati na Abena na Ewa. Satan a été incarné dans le serpent. Caïn a salaki pensa fanda ki katina nyoka. Et ils ont eu 7 enfants qu'on appelle Caïn. Pe bazoki mono babengi Caïn. Avec Ève. Yena Ewa. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes qu'on a amen. Remarquez quelque chose, mes amis. Bota la siko yeloko moko bandeko. Ces Caïn, ces géants ont traversé l'arche. Ba ingambe oyo bakatisi na bwato. Mais ils n'ont pas sauté l'arche. Baso ba pumboki. Mais ils ont traversé l'arche. Kasi bakatisi na bwato. Mais est-ce que chacun commence à comprendre? Amen. Et nous avons compris par le messager qu'il est passé par la femme de Cam. Et ouais. De même que Ève a porté Caïn, la femme de Cam a porté aussi la semence du serpent. Amen. Sous la forme d'un bébé. Amen. 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 C'est là où les géants ont survécu. Au travers d'une postérité. Et vous allez remarquer une chose. Lorsque elle est rentrée dans l'arche, personne ne savait qu'est-ce qui était arrivé. Mais cette femme-là a eu des intimités avec l'un de la semence de géant. En d'autres termes, elle a trompé son mari. Et l'enfant est passé par là. Si cela n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut parler du péché après le déluge? Est-ce que tous les pécheurs étaient détruits? Amen. Et les gens qui sont rentrés dans l'arche, ce sont les justes. Amen. Alors comment la semence, n'est-ce pas, du péché est passée dans l'autre côté? Vous voyez, c'est ça le mystère de Dieu. Parce que les mystères de Dieu sont révélés par un prophète. Et Dieu ne fait rien sur la terre. Il ne révèle pas ses secrets. Il ne révèle pas ses mystères à ses serviteurs, les prophètes. Et avoir un prophète dans un âge, c'est la miséricorde du peuple. Et un peuple sans prophète, c'est un aveugle. Je ne parle pas des prophètes qui se donnent de nom comme ça. Ou bien des prophètes qu'on pose des mains. Les gens qui se disent des prophètes des nations. Les prophètes du Congo. Les prophètes de Brazzaville. Ça, ce n'est pas des prophètes. Avoir un don de prophétie ne veut pas dire que tu es un prophète. Un prophète a un message. Et son message, c'est pour l'humanité entière. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Dites amen. Amen. Amen.
Il faut un prophète pour voir. Il faut un aigle pour voir au-delà de 300 km. Pour aller que vous savez que l'œil de l'aigle peut voir à 300 km. Même sous les eaux, l'œil de l'aigle peut voir. Importe la distance, il a la capacité de voir 300 km. C'est un oiseau spécial. C'est pourquoi Dieu dans la Bible compare toujours l'aigle à un prophète. Et Dieu lui-même aussi est comparable à un prophète. Il est aussi comparable à un aigle. Et nous, ses enfants, nous sommes des aigles. Parce que nous avons la vision de l'aigle divisé par deux. Donc, pour voir 150 km, tu peux me donner un homme. Et lorsque le messager a bien regardé, il a vu que la semence qui se prend est passée par une femme. Et la preuve en est que lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, et dans l'arche, de l'autre côté, la Bible nous montre que Noé a bu. Donc l'esprit des gens qui s'enivrent, qui boivent est passé dans l'arche au travers de Noé. Il n'y a pas d'amen. Les gens qui ont la moquerie, leurs esprits est rentré dans l'arche au travers de Cam. Ah oui, ça devient un peu fort. Et comme ça, alléluia. Amen. Et nous voyons que quand Noé, n'est-ce pas, nous savons qui a été, n'est-ce pas, révélé. Sem et Japhet ont couvert la sanité. Sem maintenant Japhet est babomba qui bolungu na yé. Mais Cam n'a pas couvert. C'est Cam a aboyé qui consacre. C'est Cam qui est allé voir pour parler à ses frères. Voilà papa, puis papa est nu. C'est pourquoi un véritable enfant, dans le spirituel ou dans le physique, doit toujours cacher les erreurs de son père. Même si vous voyez votre papa spirituel ou physique en erreur, vous devez faire de tout votre mieux pour le sauver. Mais ce n'est pas pour aller exposer ça aux gens. Comme aujourd'hui nous avons le système de l'internet. Internet, il suffit qu'un frère commet une erreur. Ça, la libunga, il suffit qu'une sœur commet une erreur. Ne commence à ça, la libunga, on a plus la capacité de cacher les erreurs des autres. Chacun veut, chacun court pour être le premier à avoir diffusé la chose. Vous voyez là où le christianisme a failli. Vous voyez là où le chrétien n'a plus les bases. Et je crois que c'est manque du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez les rêves des frères. Il faut cacher la chose. Parlez toujours du bien du frère. Mais ne parlez jamais des mauvais côtés des frères. Est-ce que vous me suivez? Pouvez-vous me donner un amen? Remarquez, chers frères. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de l'arche, la Bible nous montre que Caïn, je veux parler de Cam. A vu la qualité de son père. Il est allé raconter ça aux autres. Maintenant, je vais enlever l'équivoque. Je voudrais rendre quelque chose trop clair par rapport à ceux qui condamnent Cam. Les gens sont en train de dire que Cam a été maudit. Jamais Cam n'a pas été maudit. Et ils veulent attribuer, n'est-ce pas, Cam au noir. De Cam, comme il a vu la nudité de son père, Cam a été maudit. Non. Cam n'a jamais été maudit. Noé n'a jamais maudit Cam.
Noé a la kaki mabe kama Noé a maudit Cana. Noé a la kaki mboka Cana. Notre terme cet enfant problématique. Mabe et ni kolobe te mwana o ya likambo. Ce moyen par lequel la semaine ne s'est pas passé. Ma koki o ya zala ki te mboto na mbio kele kaki. La Bible est claire. Bible ya zali polele. Que Noé a dit maudit soit Cana. Noé a la kaki te mboka Cana na e la kama mabe. Il n'a pas maudit Cam. Il a la kaki Cam mabe te. Il n'a pas maudit Cam. À la kaki kama mabe. Il a maudit Cana. À la kaki mboka kanana. Cana c'est cet enfant problématique. Kanana yangonde mwana oye likambo. Il n'est rien d'autre que la semence du serpent. Yangonde zaliyo komosusu teka kamomboto na nyoka. Donnez-moi un amen. Amen moko. Celui qui a été maudit. Yende. Mokilinde eyi kamaki. Et il y a eu de noir. Tomoni bato moindo. Il y a eu de jaune. Tomoni bato jaune. Il y a eu de blanc. Tomoni bato pembe. Et ils ont quitté Babylone. Bangonyo so balongwe na Babylone. Ils ont été dispersés dans le monde. Les uns sont partis vers la Chine. Les autres sont allés en Inde. Et les autres sont partis vers l'Orient. Le côté, n'est-ce pas, d'Iran, d'Irak. D'autres sont allés au nord. C'est là qu'on appelle les Magog, dans les Gog, dans les pays de Magog. Et Magog, c'est le noir. Et Gog, c'est le nord. Gog ezali penza kuna na nord. Et Magog, Gog c'est le ce sont les enfants, n'est-ce pas, de la semence de Japhet. Gog yangonde ezali momboto penza de Japhet. Et c'est là où nous trouvons les Russes. Et si kapuna tozé komona batonarise. Donc c'est le Cayenne. Donc qui origine na yo ezali penza ya Cayenne. Vous allez toujours manifester la nature du païen. Et vous ne serez pas étonné qu'aujourd'hui un homme était un musicien. Okokamwa te lelo motasaki musicien monene. Il chantait pour Dieu. Azeko yembela nzambe. Demain il est dans le monde. Lobi azongi na mokili. Et vous ne serez pas aussi étonné. Bokokamwa pete. Tu vois quelqu'un qui a servi le monde. Moto esalaye ki mokili ta monene. Dans cette école langa langa. Dans tout puissant, je ne sais pas, ok, j'ai un tout puissant, ma soumou, je ne sais pas. Na tout puissant, langa langa, tombe tout puissant, ma soumou. Et vous le trouvez du coup, il a basculé. N'attends, moi, mon moni, à bon moni. Il commence à chanter pour Dieu. A commis coco, mis sans âme. C'est que la semence qui est dedans. Et lui, quand on met que mon moto, c'est que la semence de Dieu. C'est que mon moto, n'en a simplement embrouillé. Si diable, à ça, qui a mon boulot. Dites amen. Amen. Et je fais une déclaration fréquassante. Et la lingui, n'a ça la pensa, l'état de l'imboko. Comme je l'ai fait la fois passée. Dans l'arche, il n'y avait pas 8 personnes. Mais la Bible nous dit qu'il y en avait 8. Bible a lobi na biso te bazalaki bato mwambe. Il y avait Noé et sa femme. Noé pe mwasi na ye. Ses 3 enfants. Bana na emisato. Et ses trois belles filles. Pe bana na ya basi ya bana na emisato. Nous voyons 8. Tomoni ezali wa mwambe. Ça c'est le gros plan de la Bible. Wana ezali mwango monene ya Bible. Mais Jésus a dit. Yes, l'homme ne vit pas du pain seulement. Il ne vivra de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu. Toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu. Ce sont les détails de l'évangile. Et ce sont ces détails qui font la différence entre l'épouse et la dénomination. Entre les vierges sages. Et les vierges fortes entre Israël et Moab. Ce sont ces détails. Nous lisons la même Bible. Et nous prions le même Dieu. Tout le monde dirige les prières vers Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas aujourd'hui qui est ce Jésus qui adresse les prières. Oh, si ça vous permet de vous dire quelque chose. Qu'est-ce que vous savez, chers frères? Qu'aujourd'hui dit la Bible, nous ne connaissons plus Jésus-Christ de la manière dont nous l'avons connu. Amen. 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 Aujourd'hui, Jésus-Christ s'est transformé. Il est devenu la colonne de feu. Il est devenu la nuée. Alléluia. C'est sur cet homme-là. De la nuée, du Saint-Esprit, que nous adorons. Amen. C'est quoi Jésus a dit? L'air vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront qui?
Père. Et Jésus a dit, yes, je suis venu du Père, je retourne au Père. En d'autres termes, il était la colonne de fer, il est devenu un homme. Amen. Après sa mort, sa résurrection, son enlèvement, Jésus-Christ a changé de forme. Il est redevenu le Père, le Dieu du commencement, le Dieu qu'Abraham adorait. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est comme le même Dieu pouvait dire à Abraham. Car Abraham avait des gens de ta maison. Tu vas circoncis ceux qui sont nés de ton sang. Et tous ceux qui sont acquis de prix d'argent. Tous ceux qui sont de ta maison. Si vous regardez bien la maison d'Abraham, n'était pas seulement Isaac avec Ismaël. Les fils de Cam furent Bana Yakama, Kush, Balalaki, les enfants de Cam sont Benga Makina, Kush, Mitzray, Put, et Kanana. Amen. Donc selon la Bible, la côté la Biblia, Cana est le dernier enfant de Ka. Cana azali mwana oyo yasuka. Mwana yasuka. N'est-ce pas? Voyez. Maintenant le messager nous dit. Si kawa motinda mia enfant Cana. Alors de mwana Cana. C'est par lui. Et c'est là naïe, que le péché est passé dans l'âme. Ah, il est le dernier enfant. C'est-à-dire avant Cana, il avait ses frères. Il avait trois de ses frères. Mais c'est par lui, Cana, que le péché est entré dans l'âme. Là, nous commençons à comprendre. Donc, le péché est entré dans l'âge par le cadet. Alors Cana n'est pas né avant ses frères. Cana est né après ses frères. Le péché est passé par lui. Alors comme il est la semence du serpent. Mais les autres n'étaient pas la semence du serpent. Mais lui, elle, lui, il était de la semence du serpent. Vous avez dit, mais comment expliquer que la Bible parle de ça? Mais attendez, un prophète, c'est lui qui n'est pas qui complète l'autre. Mosakoli, Azali Penza Oyo, Ayaka, Kobakisa, Ikolona Mosusu. Je voudrais qu'on puisse m'expliquer. Nalinge Tebali Mole Langai. Comment Paul n'était pas là quand Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Le lengeni de Paul avant qu'il en ait tango Abraham a pensé qu'il mokona zomi et pas y a Melchizedek. Mais comment Paul? Le lengeni de Paul pouvait nous dire que Lévi a concolobeté Lévi a payé la dîme a foutu qui dit mais mokona zomi quand Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Tango Abraham a pensé qu'il dit mais Paul l'a vu. Paul a monaki a roi.
Paul a vu Lévi dans les reins d'Abraham. Avant qu'il ne puisse être sorti. Abraham payait la dîme. Les enfants, les 16 enfants étaient représentés par Abraham. Tous ont payé la dîme. Au travers de leur père. C'est les choses que nous croyons. Je vais vous dire amen. Comment Moïse écrit la Genèse? Moïse avec au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Alors Moïse n'était pas au commencement. Comment il a su ça? C'est la révélation. Parce que Moïse était un prophète. Un prophète peut voir le commencement. Il peut voir le présent. Il peut voir le futur. Donnez-moi un amen. C'est pas l'importance d'un prophète. Donc nous comprenons bien. Il n'y avait pas seulement 8 dans l'arche. Il y avait les enfants de Cam. Et ça qui bana ya Cam. Les trois premiers enfants de Cam. Bana ya liboso ya Cam. Ils étaient là-bas. Pas d'amen. Amen. Ah, prends avec ta famille, entre là, avec ta famille, ta maison. Soit penda qu'on a yo mobimba, kota na boato. Lorsque je dis ma maison. Je prends mes enfants. Je prends tous les frères qui sont ici. Ils sont avec moi ici. Ils sont de ma maison. On peut leur poser la question, où est-ce que vous habitez? Il dirait que j'habite chez papa Monsengo. Il est de ma maison, n'est-ce pas? Donc nous comprenons bien. Que la semence du serpent est passée par Canaan. Et comme Kame n'a jamais été maudit. Yé à la Kama qui m'a dit. Kana qui a été maudit. Kana yende Kana de l'homme. Qu'est-ce que Kana a fait? Kana et Salinini. Kana n'a jamais vu la nudité de Noé. Kana n'a et Monaki Bolungu ya. Kana n'a jamais péché. Kana n'a et Sumukati. Mais comment le prophète Noé? Le Lingedini Mosakoli Noé. A maudit le pauvre enfant. Akene Komu la Kamabe Moka Kana. C'est parce qu'il a vu. Poète à Monaki. Ses origines. À Monaki Pese Pandelina. Ils ne sont pas de Kam. Et Sali à Kam était. Même Kam lui-même ne connaissait pas. Atako Kama Yemoko Asosola Kite. Il pouvait prendre Kana ou mon bébé, mon bébé. Après qu'on soit Kana, Kana. C'est la femme qui détenait le secret. Il n'y a pas la main. La ville a encore soulevé la femme. Tant que tombe les la femme connaît. Moi c'est Ayebaki. C'est pas son enfant. Ezaki mon en a été. Les enfants là. Moi wana. C'est pour un géant qui est mort. Ezali pour un gambé à Koufi. Géant qui est mort dans le déluge. Et un gambé à Koufi qu'on a déluge. C'est pourquoi il interdit à une femme de tromper son mari. Yango et Samélie Benza Bokebi Makasi na moi si Koko Samobali na yo. Amen. Amen. Ouais, c'est interdit. Zali Benza Kopé Kisama. Du moins, elle va être courageuse. Nayango, elle va être courageuse. Elle a dit à son mari. C'est le serpent qui m'a appris. Et Zali Nyo Kandia Latisinga Yango. C'est le serpent qui m'a appris. Et Zali Nyo Kandia Latisinga Yango. Le prophète dit. Prophète Moussako Lalobi. Attends, il fallait refuser Eve. Alobi était. Adam a coquetté Koboya Ewa. Mais Kati. Comme il aimait tellement son amour. Linga qui moi si naïma Kati. Son amour a ignoré tout ça. Bolingo naïe et bombi ma benyo. Et l'amour d'un homme envers sa femme doit ignorer. Bolingo ya mobali et pas inamo si naïe et sengeli bomba. Et l'amour d'un homme envers son mari doit ignorer. Bolingo ya mobali et mobali naïe sengeli ko bomba ma benyo. Parce que nous formons un couple éternel. Boye te sengeli ko sala penza ko sangana moko ya seko na seko. Que nous unis et plus que seko. Oyo et te sengeli. Je m'en fous de ce que le monde devrait faire. Je m'en fiche de cela. C'est pourquoi Eve Adam était obligé
obligé de s'en couper avec elle. Et où Adam et que Dieu ne puisse pas la tuer. Oui, c'est mon maman qui n'a été. Regarde le péché que commet son église. Tant qu'on a dit sous Oyo, église n'a été évalué comme ça. Malgré qu'on est devenu le frère, malgré qu'on est devenu le croyant, il y a tellement de frères dans de croyants. Les autres plus que les païens. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Et puisque Jésus, oui, c'est Jésus. Qui est le dernier Adam? Oyo Azali Adam Moya est venu s'unir avec nous. Ayeko Kangisa Manabiso. Dans l'union invisible. Katina Kosangana Oyo. Dans le peuple du Seigneur. Que le peuple nous tue. Il ne tue pas le Seigneur Jésus. Ce qui abomine le nom de Jésus-Christ, c'était un mystère. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous avons compris qu'il y avait pas plus, il y avait plus de 8 personnes dans l'arche. Total Isami, Total Yete, Zaki na bato mwambe na kati na arche te. Et nous avons touché l'origine. Peto simbi pensa oye sali tina. Conflit israélo-arabe. Oye sali pensa ya ba arabe pe na Israël. Je vous ai montré. Natali simbi non? Premièrement. Liboso. C'est Abraham. Et ça qui Abraham? Qui a pris Agar. Yende aso qui Agar. Oui. N'est-ce pas? Oye. Première erreur. Oui, ça a été le bon gars, le bosso. Qu'en soit le reste, c'est même pas Abraham. Oui, il a dit, ça a été fait ça. C'est Sarah qui a donné un don. Regarde, ça a été Sarah qui a fait ça qui le cabo. Il a donné un don. Il a donné un don. A fait ça qui fait ça le bonza. Ah, Abraham. Namobali naïe Abraham. Mais Abraham, on se bien le prophète. Abraham, il est pour le corps à Moussakoli. Il pouvait refuser. Pour qu'il fasse pour moi. Mais il a pris comme ça. Asie, Ango Kaka. Je voudrais aussi vous dire quelque chose. Nali Koye, tu t'amènes à l'eau comme encore. Tous les désordres que nous avons aujourd'hui. Mboulou Nyon Sotosaï Nangolelo. Entre Israël. Oui, Salina Israël. Et les Arabes. Et Barabé. C'est à cause du problème du sexe. Et Salina Sina Yanzoto. C'est fort. Namobali Topé à moitié. C'est Jacob. Et Sali Jacob. Jacob, il avait une femme. Asala qui la moitié. Qui l'aimait. Oh ya linga qui. Qu'on appelle Léa. Oh bah linga qui Léa. Vous suivez? Bon ami gai. Et le beau-père est rentré dans le coutume. Père tata Bokilo a songi pensant à vous et ça dans notre coutume. Dans notre coutume. Dans mon message mon avis sont. La grande sœur ne doit pas aller en mariage avant la petite sœur. Il y a un coup que des yambos. La petite sœur ne doit pas aller en mariage avant la grande sœur. Les qui a coup au bal à l'imposo, t'es ce qui y a dans la balité. Non. Pas d'abord la grande sœur. Kamata nano yaya. Mais si tu as aimé. Le kololinga qui. Les qui. Les Rachel. Allez, prends d'abord la grande. Zona nano yaya. Amen. Et lorsque tu vas dormir avec, coucher avec lui. D'abord, voilà la naïe. Nous allons vous donner encore Rachel. Et puis, ton copain, ça va le sous Rachel. Jacob n'a jamais aimé. Il n'a jamais aimé Léa. Jacob a linga qui naïe Léa. Léa, c'est un cadeau. Léa a la qui le bonza kaka. Et lui aussi, Jacob n'a pas refusé. Yébé, Jacob, a boya qui naïe. Il a prié la petite soeur. Azu naïe, la léki. Naïa, ya. On a fait un cadeau. Bassalié le bonza. C'est que je veux dire, il passe en or. Et là, on a une colombe, et ma pessie est pensée et était ni mon corps. Il a tout récupéré. Ah oui, on a et la Bible dit. Biblie, elle obéit. Lorsque Dieu, vous allez voir comment Dieu s'infiltre dans le problème. Bon, comment on a négé les gens, mais on monte à quatre dans les cambouillards. Lorsque Dieu a remarqué que. Dans mon zambé, admoniété. Jacob n'aimait pas beaucoup Léa. Jacob a fallu que l'inga ming Léaté. Dieu a bloqué le ventre de Rachel. Zambé a kangi les boumouya. Rachel. Vous voyez, Dieu lui-même est dans cette affaire là. Zambé, il y a encore un fallu quatre dans les cambouillards. Lorsqu'il a bloqué le. Rachel. Léa a donné un enfant. Et Léa a bouti mon aliboso. Rachel regarde. Rachel a tali. Il n'y a pas. Et ça t'est. Deuxième enfant. Mon ami balé. Il n'y a pas d'enfant. Hier avec Kobota Kagate. Rachel dit moi je peux pas laisser la faire là comme ça. Rachel a l'obin gagne à Kokoti Kalikambo Boete. Jacob. Jacob. Tu prends ma servante. Zoua pensant mon sali nangaï. Comme ça tu me fais des enfants. Et Bongonde Ope Sangai Pebana. Jacob a dit merci. Jacob a l'obi on colo matondi. Il a récupéré. A récupéré. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il a donné l'enfant. Après 6 mois. Il a donné encore l'enfant. Après 6 sous moi. Alors Dieu dit non là. Ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque encore le ventre de Rachel. Il bloque le ventre de Léa. Léa attend. Léa, c'est lui.
y a bon enfant. Bana va déconner le souci. Jacob vient ici. Jacob Yaka. Prends aussi ma serpent. Allez, Kamata Pé, Mosali Nangaï. Jacob a dit, je vais faire comment? Jacob a dit, mais si quand on a ça la nini. Ce sont les cadeaux qu'on me donne. Et Zali Nangoma Bonza Basali Nini. Il a ajouté encore. A Bakiti le Souzoubana. C'est le but de tous les désordres. Il y a un mot de Sina, il y a un mot de Boulounion, sur ce qu'on a quatre lettres. Et le prophète message a dit, Pé Mosakoli à l'obinini. C'était un prophète qui a perdu la vie. Zali Penza Mosakoli, Oyabungi Saki et Monegi. Il n'y a pas d'amen. Amen. Un prophète de rétrograde. Mosakoli Oyo, Azongi Sima. Tous ces désordres. Amen. Pour l'union, sont tous ces commandes. Je crois que cette affaire ne peut pas se passer avec maman. C'est la société qui est la matinée. Même pas avec divine. Attaque, on a divinité. Ça peut pas se passer. Et quoi qu'on est caté. On ne partage pas le mari. Bah, Kabola, Kamobalité. Mais on doit le garder. Et c'est qu'il combatte la mort. On doit le protéger. Et c'est lui au bon baillet malamo. Je veux qu'Esther dise amen. La lignée de Terre à l'Obamène. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. On doit le protéger. Et c'est qu'il combatte la yé. C'est votre. Votre royaume. Yangonde zali ngumba na yo. Amen. Amen. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Yangonde penzali lo banansambe. Alors aujourd'hui, je vous ai remarqué. Tolingito. Je vous ai fait remarquer. Na lingko tel sabino été. Que quand Abraham voulait mourir. Tango Abraham malinga ki kokufa. Il a remarqué que sa mort était proche. Amona ki eta sosoli ete kokufa na yekomi pene. Alors il a dit. Alobi. Comme j'ai eu des enfants avec Ismaël, avec Agar. Le kola na ziba nana Agar. J'ai eu des enfants avec. Avec Sarah. Le kola na ziba nana Sarah. J'ai eu des enfants avec Ketura. Na ziba nana Ketura. Je vais maintenant faire la part des choses pendant qu'ils sont vivants. Etengelina kabole lo konyoso yamboete. Il a appelé tous ses enfants. Abengi bana na enyoso. Est-ce que vous me suivez? Il a dit bon, tous les enfants sortant des concubines arriveraient ici. Bana nyoso babimina ba makango ona leboya. Toi prends ton don. Yo soani kabona yo. Allez prends. Yo soa. Prends. Yo soa. Prends. Yo soa. Allez. Quitter le territoire. Binonyo sale bob bimane ngumba oyo. Il les a chassés du territoire. Abengani bango na ngumba wana. En tant qu'il était vivant. Tango zaki na bomoi. Quel est ce territoire? Ngumba yango ezalaki nini? Mais c'est Canaan. Ezalaki ne Canaan. Amen. Il y a pas de main. Amen. C'est Israël. Ezalaki Israël. C'est la Palestine. Ezalaki Palestine. C'est la Judée. Ezalaki Judée. Il les a tous chassés. Abengani bango nyoso na ngumba. Ismaël est parti. Ismaël est accueilli. De lui est sorti les Arabes. Il n'a rien d'indélanaillé par en d'autres termes, il a chassé les musulmans, les Arabes du territoire. Il est envoyé en Orient. Allez, vas-y prendre la Syrie. Allez, bon, qu'est-ce que Syrie? Allez, vas-y prendre l'Irak. Bon, qu'est-ce que l'Irak? Vas-y prendre l'Iran. Bon, qu'est-ce que l'Irak? Va prendre le Liban. Bon, qu'est-ce que Liban? Va prendre tous les pays qui sont là-bas. Bon, qu'est-ce que même l'Arabie Saoudite. Attaque au Arabie Saoudite. Même la Koweït. Attaque au Koweït. Allez, va prendre ça. Bokele kozo yango. Mais vous laissez. Botika awa. Kana. Kana. Quel Israël? Israël est cas. C'est pour Isaac. Yango de Zali pona Isaac. Et la Bible dit c'était la postérité. Bible et l'obie de Zali penza et Bosui. C'était la propriété. Zali qui penza et Bosui. Dieu a donné à Abraham. Zali qui penza Libula nzamba pesi na Abraham. Pourquoi? Pona nini? C'est là où se trouvait Makpela. Yango de Makpela. Et en d'autres termes, la guerre de la résurrection. Et même la guerre de l'enlèvement. Et même la demeure future. Cette terre-là n'appartient pas à tout le monde. Mais c'est donné aux enfants d'Israël. Et c'est la postérité de Jésus-Christ. Et c'est la postérité de l'épouse. Et l'apôtre Paul dit. Yangonde apôtre Paul a lobi. Vous êtes la race élue. Bosali penza. Et libota o e ponami. Un peuple à qui? Libota penza o e zoni. Un sacerdoce royal. O e zali bo libota bo gondi. Nous appliquons ça souvent aux juifs. Et senge tozali ko tale lango kaka pona ba juifs. Mais c'est pour l'épouse. Kati zali pona mouti na libala. C'est pour les gens des nations. Et zali pona bato ya mabota. C'est pour nous. Et zali pona biso. Cette terre d'Israël. Ma pele wana Israël. C'est pourquoi après l'enlèvement. Si ma yako netoma. Lorsque nous allons revenir. Vous ne reviendrez plus au Congo. Vous ne reviendrez plus au Gabon. Mais nous descendrons directement en Israël. Exactement à l'endroit où Abraham avait rencontré Melchizedek. Et là où il y aura même la nouvelle cité. Et pourquoi la nouvelle cité dans la Bible?
ne pas appelle Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas une ville. La Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas une ville. Il va descendre du ciel. Et ce n'est pas ça. La Nouvelle Jérusalem. Jérusalem est Sika. N'est rien d'autre. Et ça dit qu'à quel homme se souvient. Et vous, de Jésus-Christ. Je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville, mais ce sont les hommes. Et je vais vous dire aujourd'hui que ces gens-là, que Dieu a montré, l'ange montré à Jean, la femme de l'agneau. Il n'y a pas de mal. Mais la ville que nous allons habiter ne viendra pas du ciel. Les gens ne comprennent pas la parole. Parce que Jésus avait dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Après, là où je suis, les gens ont lu ça. Ils ont pris ça dans les pensées. Jésus est allé nous préparer. Non, monsieur. Jésus ne construit plus rien. Même la nouvelle terre. Alléluia. Dont la Bible parle. Alléluia. Dieu va créer une autre terre. Et la même terre. Alléluia. Qui sera purifiée. Alléluia. Dieu va enlever le péché. Dieu va enlever la politique. Dieu va enlever les maladies. Dieu va purifier les sacrifices. En d'autres termes, la place que Jésus est allé nous préparer, elle n'est pas une maison. Non. Le message a dit, nous ne croyons pas à des milliers de kilomètres. Il y a des maisons là-bas. C'est le prophète dit, il a pour être ici même présent. Dans la salle maintenant. Amen. Il y a des choses qui vous empêchent de voir cela. C'est parce que votre cœur n'a pas été réglé dans cette fréquence. Donnez-moi une amen. Ce n'est pas les maisons qui sont bien papa. Même dans le message, les gens pensent que Jésus est allé nous préparer le message. Pourquoi dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul a dit, et cet temps, alors, nous habitons nous avons une maison, une édifice qui nous attend. Est-ce que je me fais comprendre? Et je vais vous dire aujourd'hui les choses choquantes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. L'apôtre Paul a dit ça nous attend. En 54, 56, 57, il croit
moyen avec on ima cette maison est en d'accord oyo et fallait côté la biso en 60 na 1960 avec cette maison d'accord wana et fallait côté la biso il y a pas d'amen amen avec prêcher le problème avec côté il y a pensa le Corinthiens 5 avec Otanga et Corinthiens 5 inspiré de Paul amen et le croyant que ça nous attend père ce sont les qui étaient avec côté la biso le message est dit. Mosako le alobi. Cette maison. Ndako wana. Cette maison. Ndako wana. Donc l'apôtre Paul a parlé. Oyo ntoma Paul alobi. Il n'y a rien d'autre. Et ça l'est le commandement de Dieu. La couronne de gloire. Et ça l'est kaka motone na kembo. La couronne de gloire. Motone na kembo wana. Nous le remportons au ciel. Nous soyons au la volonté. Non. Ce n'est pas au ciel. Nous la terre. Nous sommes sur la terre. Le message est dit. Mosako le alobi. Votre couronne de gloire. Motone na kembo. C'est pas un chapeau. Et c'est un corps. Et ça nous amen. Le prophète dit. Même on s'en au commencement. Les bandes. Lorsque l'homme est péché. Il a contourné. Il a contourné la théophanie. Il a contourné la théophanie. Pour venir dans la chair. Mais pas la nouvelle des anges. L'homme reçoit ce qu'il a fait. C'est un corps parole. Et lorsque la parole est en nous, cette parole qui est en nous, est en nous, ce nouveau corps ne viendra pas. Donnez-moi un amen. Ce nouveau corps est en nous. Lorsque vous mourrez, il y aura la séparation. Et qu'on aura besoin de vos caboni. Ce corps qui est dedans. Nous sommes tous dans la cassie. Amen. Lui là. Yewana. Amen. Il va au tombeau. Et lui là. Amen. Il va dans la pire. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Et pourquoi le messager? Nantine un gomo sa kona. Un jour il s'est réveillé. Il a commencé à sonner les effigies. Il a posé la question. Qu'est-ce que je deviendrai? Nini na kokoba. Maman. Alors Dieu est descendu. Il a dit au messager. A tout le monde s'accolie. Vous devez que je puisse vous révéler. Que vous deviendrez. Après la mort. Il a dit ça me fera du bien. Alors le messager dit. Il dormait dessus son lit. Alors la qui faisait un du coup. Alors mon corps. Donnez-moi un amen. Il dormait. Alalaki. Frère. Neko. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprenaient plus le message. Devant sortir. La dénomination. De notre compréhension. Et notre manière de voir les choses. Doit être comme les dénominationnels. Le message est dit. Nous avons un message qui est différent des autres messages. Dis amen. Il dormait. Lui-même dit. Pendant que je dormais. Je suis sorti de mon corps. Il est quoi? Il est sorti de quoi? Il est sorti de son corps. Il dit, je peux me tenir là. Alors, je regarde. Et je vois un autre brana. Il y a le brana positif. Il y a le brana négatif. Il y a le brana de la chair. Et le spirituel. Et celui-là qui a été créé à l'image de Dieu. Celui-là qui fait le miracle. Je vais entendre votre amen. Il peut être ma folie, je vous appelle. Alors du coup, le message est déjà parti. Il a dit que la loi était mon corps. Par rapport à la sixième dimension. C'est un peuple 6 mètres. La sixième dimension n'est pas là-bas. Mais dans une autre dimension, c'est des cinq sens de péché. Nous entoure. Ça nous environne.
Amen. Comment le messager peut dire? Le lengani mosa ko la sala. Que quelqu'un meurt. Dans mon takofi. Il peut voir ce qui plaît le corps. Comment le lengani va se ko le lanzo? Le chant qui plaît le corps. Quand il va tourner ko le lanzo. A ko ki comment a été? On se retrouve. Batali pensa. Chachami. Quand il habite ni ma messager dit. Le messager dit. Mosa ko la lomi. Le Seigneur Jésus-Christ. Ko no Yesu Kristo. Le Fils de Dieu. Mona na moto. Ressuscité. Ah. C'est qui? Dans la salle de ma mère. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Il a dit le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité, est ici dans la salle. Maintenant même. Mais comment? Alléluia. Dans une dimension, il est là. C'est Jésus-Christ ressuscité. Amen, 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 amen. Il est dans la salle. Mais dans une dimension. La Bible dit, dans le messager dit, pendant qu'il était là, un autre Branham était là. Alors il a commencé à voyager. Il est allé là-bas. Lorsqu'il est arrivé, comprenez-moi très bien. Les gens qui sont morts avant, ils sont venus à sa rencontre. Ils ont appelé notre précieux frère. Notre précieux frère. Nous n'allons pas épuiser. Ils n'ont jamais appelé celui qui dort là-bas. C'est ça. Yango. Amen. Il n'y a pas la main. Amen. Écoutez quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Yoka moto zangi moli momo santu. Écoutez un géant. Koyoka pesa ingambe. C'est ça le message. Amen. Ça c'est vrai. Il n'y a pas la main. Amen. Il faut que la personne du prêche ait le Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'il ait la nature. Azala. La parole. Amen. Et en d'autres termes, il ne vous transmet pas ce qu'il est. Amen. Il vous transmet la vie de la théophanie. Et c'est celui qui change les gens dans la vie. C'est celui qui donne même l'enseignement. Nous n'avons jamais écouté William Branham l'Américain. Lui là n'a pas de ministère. C'est lui qui a le ministère. Branham ne prêche plus. Il est allé se reposer. Le ministère est terminé. La personne qui avait le ministère est sortie de son ministère. Et ce corps-là, on ne peut plus l'écouter. Il va pas amener à ça. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai beaucoup de choses à dire. Nous en parlerons au fur et à mesure. Donc la maison que Jésus est allé préparer, elle n'est pas les bâtiments. Là-bas au ciel, il n'y a pas de mensonges. Là-bas, on ne fait pas les tonnes. Là-bas, il n'y a pas de briquetiers. La maison que Jésus est allé préparer. Banam dit dans communion par la rédemption. Amen. Par la paragraphe 30. Na paragraphe 30. C'est un corps. Et il n'y a pas d'amen. Amen. Et ce corps là dans question réponse numéro 3, le messager
réponse numéro 3, lorsque les réponses sur le mystère de la translation de corps, le messager dit, vous êtes une autre personne. Mais le vrai toi, il est dedans. Amen. Lorsque vous recevez la parole, vous recevez la vie de Dieu. Amen. Et le messager dit, autour de cette vie, oui, se forme un nouveau corps. Un nouveau corps le positif. La chose est déjà en vous. Amen. Et les gens de la confusion ne savent pas que l'âme d'une personne née de nouveau, c'est sa théophanie. Amen. Et le prophète dit que c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. L'homme a l'âme. Et l'animal n'a pas de l'âme. C'est ça qui fait la différence. Parce que l'âme qui était dans l'homme, c'est ça la théophanie. En d'autres termes, théophanie, ça veut dire théophanie, ça veut dire théos, voilà, qui signifie Dieu, et phaneros, phaneros, qui veut dire forme. Amen. Forme, c'est-à-dire la forme de Dieu. Amen. Et la forme de Dieu, c'est la parole. Amen. 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 C'est pourquoi un croyant, Nango, bon dimi, vous allez lire Apocalypse chapitre 3, Apocalypse, Mokanda, le messager dit à partir du paragraphe 55. Lorsqu'un homme est né de nouveau, il devient un être doux. L'homme de la terre pour mourir. Moko et Anzoto pour la cause de la mêlée. Moko pour la combattre dans l'icône. Vous avez même corps. Et on peut avoir deux hommes. Ah, c'est dur à croire. Il peut avoir deux hommes dans le corps. Mais vous ne lisez pas la parole. Dans la Genèse 18, il y avait Elohim cher. Il y avait Elohim théophanie. Dieu a pris Abraham. Dieu a pris Gabriel. Qui a un corps théophanie. Il a formé un corps cher. Il l'a mis dedans. Dieu a pris Michael. Un corps théophanie. Parce que le corps des anges, ce sont les corps théophanies. Et il a placé dans son corps. Lui-même Elohim. La grande théophanie. Il est rentré dans un corps. Il est dans un même corps. Trois dans un corps. Et après il serait sorti de là. Quand on arrive à l'homme, ça nous aurons ça. Oyo, toko zwa yango. Ok, continuez, vous aurez votre corps. Koba, yoko zwa yango. Vous aurez votre corps. Mais le mien, je le reçois. Parce que je suis né de nouveau. La chose que j'ai perdu. La vie de Dieu que j'ai perdu. L'image de Dieu que j'ai perdu. Je le reçois. C'est pourquoi le prophète dit, c'est l'intérieur qui contrôle l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a pas Dieu. Le corps est toujours voué au péché. Mais si il y a Dieu dedans, il va contraindre le corps. Elle n'est pas péché. Est-ce que quelqu'un me donne un nom? Amen. Alors pour terminer, nous sommes sur la veuve Isaac. Je voudrais vous montrer un mystère là-bas dedans. Le messager dit, lorsqu'Abraham a eu Isaac dans la vieillesse, Tango Abraham a su Isaac na mobange. Il ne pouvait pas se dire qu'Isaac reste sans femme. Akokaki ko se pelate te Isaac atika la kosanga. Alors il a cherché quelqu'un de sa maison. Be aluki moto moko na ndako na ye. Une personne qui craignait réellement l'Éternel. Moto pensant ali na mobangi nzambe ka na ye. Alors il l'envoya pour aller chercher une femme. Be atinda ki yake ne koluka mwasi. Ah, vous savez que Isaac Abraham, boyebi ete Abraham était d'abord un Irakien. Asalaki nano moto ya Irak. Il est Irakien. En d'autres termes, c'était un noir. C'est dur à croire. Il n'était pas blanc. Amen. Non. Amen. Il avait une peau qui n'était pas la peau, n'est-ce pas, des blancs. Amen. Pourquoi le messager dit que les vrais blancs, ce sont les Anglais? Amen.
Et Sali Bangele Kam. Tous les autres ne sont pas des blancs. Alors, Bibi, Souswana, Bazali Mindelete. Les Anglais, les Suédois au moins sont des blancs. Bangle, Bas Suédois, Bazali Mindelete. Lorsque vous voyez quelqu'un. Tango, Omoni Moto. Cheveux noirs. Souki, Pembe, Mwindo. Peau blanc. Poso, Pembe. Un noir. Azali Mohindo. Un brun. Amen. Ça vous va? Amen. Avancez. Je peux continuer? Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons remarquer. David. 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 Qui avait un peau blanc. Qui avait un peau blonde. Azala qui pensait na poso et Zaki a pembe. Blonde, c'est un noir clair. Blonde, Zali poso et Zali moi moins de moins pembe moqué. Comme le docteur. Et Zali le col à docotolo. Comme Marthe. Le col à Marthe. Vous n'allez pas me dire que vous êtes des blancs. Vous êtes qui? Vous êtes noir. Vous êtes noir. Vous allez. Quand vous avez une peau claire. Quand vous allez une peau pembe. Ok. Vous reconnaissez votre origine. Vous allez coller sauce sur la pinza. Oh, il est origine. C'est la même peau qu'avait Salomon. Et salut pour ce Salomon. Vous n'allez pas croire, mais c'est vrai. Bon, quand il m'a cassé, salut pour ce. Je n'ai pas assez de temps pour le lire dans la Bible. Nazali n'a tango mingi te fana kotanga na Biblia. Vous savez que c'est la même peau que Job. Vous allez coller sauce sur les tes salis pour ce mot qu'on a Job. Job n'était pas blanc. Job, Azala qui pensait mon délété. Vous ne croyez pas? Vous avez condimenté? Si vous croyez, donnez-moi un amen. Sauf que vous avez condimenté sa main. Je pourrais vous lire au moins deux seulement. N'a côté de la Bible, on a fait comme il balait, caca. Vous montrez quand même Job. N'a si ma côté de Sabino était Job. Job n'était pas blanc. Job, Azala qui mon délété. Job. Job, je voulais lire le chapitre 30. N'a côté de la chapitre 30. Ici, je ne me trompe pas. Soki n'a bungite. Lisons Job 30. Totanga na yobo. Lisons-moi à partir du verset 28. Tangelangaï, na verset 38. Merci beaucoup. Maton de Job, Bingui. Job 30, 28. Job 30, 28. Vous allez voir qu'il n'a jamais été blanc. Hier, Azalaki Mondel était. Il était noir. Azalaki Motomoindo. Job 30. Job 30. Verset 28. Verset 28. La Bible dit. Bible est lobby. C'est Job qui parle. Ah ouais, Zali Yob, on a Zaikoloba. Je marche noirci. Nazali Kotambola na Moindo. Mais non par le soleil. Et Zali Nantina na Moïte. Je marche étant. Et Abalouki Nantina na Moïte. C'est un vieil esclavage. Mais Zali Mobange qui m'ouvre. Oh, on a dominé le noir. Oh, Yobazi Bokonzi Kolona Babouine. Dès qu'ils sont sortis de Kam. Alors Kolobet de Babimi na Kam. Ça doit terminer. Et c'est gagné ici là. Je ne crois pas ça. Et on ne doit pas mener ça dans le message. Nous ne croyons pas ça. Dieu peut prendre un noir. Dieu remplit le Saint-Esprit. Il prêche aux Américains. Il prêche aux Canadiens. Et il prône par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'amen. Amen. Prenons quelque chose d'autre. Vraiment, c'est un peu fort. Je notais ça toute la nuit hier. Lamentation. Je lirai peut-être le paragraphe, le chapitre 4. Nakotanga na chapitre 4. Lamentation de Jérémie. La pensée à Jérémie. Ah, où là il est en train de parler des enfants de Sion. Et si Kabanaki Olobe la bana à Sion. Il dit que les enfants de Sion sont noirs. Alors nous savons que Sion c'est Jérusalem. Et Jérusalem. Et nous savons que c'est Israël. Et Sali pensait Israël. Oh, il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Nous, les Israéliens. Bah, Israéliens sont comme nous. Bah, Sali le col abisso. D'ailleurs, ils sont tous de la postérité d'Abraham. Basali bangonyoso bokitano ya Abraham. Et Abraham, père Abraham, hein, notre père, Tata Nabiso, n'était pas un blanc. Azalaki mondele te. Mais il avait un teint sombre. Azalaki posomoko avec les cheveux noirs. Père, suki na Azalaki moindo. Il y a pas d'amen. Amen. Oh, ça commence à sonner mal. Et comme il pensa koyoka na moi mabe, hein. Les frères ont dit mais pourquoi vous êtes allés trop loin. Bande ko balobi ah, mokengeli okay mo musika. Attendez, même l'ange de l'Éternel. Moi, c'est la même mémoire, c'est Nankolo. Il n'est pas blanc. Attends, mon délai. Amen. Mais vous ne croyez pas. Le message est dit. Amen. Je l'ai rencontré dans ma maison. Il est venu me voir dans la cabane où j'étais. Il avait un teint sombre. Amen. Le teint sombre, ce n'est pas le teint blanc. Amen. Et il avait
des cheveux. Qui lui tombait aux épaules. Ouais, ouais, en Afrique. Il a posé les mains. A cagné ma boco. Je vais aller trop loin. Et il a dit au messager. Allô, bien, Mosakoli. Je viens de la part du Seigneur. En d'autres termes, cet ange-là, je ne retiens pas le Seigneur Jésus. Je viens de la part. Je viens de la part de. Pour vous expliquer, votre naissance. Je peux avancer un peu. Le messager dit c'est le même ange. Il m'a parlé tout au long de ma voix. Et je vais vous aller plus loin. C'est le même ange. Et ça les cas comment c'est loin là? Fut ici. Qu'on en a fut ici de. Qui a touché l'épaule de la personne qui doutait pas de mère. Oh y'a un bâti les pécaïa moto à zéro. Amen. Et lorsque le messager a pris la chemise. Tango Mosakoli a vu il a posé sa main. A chez le bokonaye. Les empreintes. Et de ma bokonaye. Alléluia. Les empreintes. Ma bokonaye. Cet ange là. Oh y'a moi j'ai loin là. Sa justesse. Et pas la qui fait ça. Exactement. Et le bokokana. Avec les empreintes de frère Branham. Je vais vous dire quelque chose. Je dis que les gens seront étonnés. Je peux continuer. Remarquez. Frère Branham dit, je ne l'adore pas. C'est pas Jésus. Mais c'est un ange qui vient de la part de Dieu. Qui n'est pas le Seigneur Jésus. Messager. Je vais entendre un amen. Et lorsque la constellation des anges était photographiée, le messager dit, ils sont descendus. Ils m'ont pris. Ils m'ont emmené deux ans. Il y avait sept ans. Il y avait sept ans. Et le frère Branham continue. Il dit c'est sept ans. Les messagers de sept ans. Amen. Et ça, je transforme la constellation. Ce sont les messagers de cet âge. Et le prophète dit que les autres anges, ils étaient là. Ils avaient de l'importance pour moi. Ils détenaient le septième saut. Ils avaient plus d'importance pour moi. Que les autres. Et c'est cet ange-là qui est descendu, donné au messager de la révélation de la Bible. En d'autres termes, Jean l'avait vu dans le département. Et Jean voulait même l'adorer. Dans l'Apocalypse, la Bible dit, c'est cet ange formé la figure et longue de Jésus. Oh, y'a Yesu. Oh, la Bible dit, alléluia. Cet esprit, milimo sambo de Dieu, yanzambe sont autour. Et Zali kontinga du trône, la trône, dont le Père, Tata, Dieu est sur le trône. Zambe Tata, mais autour du trône, zinga zinga na ye. Il y a sept esprits. Et les gens pensent que ce sont des esprits. Répéter la parole. Amen. Vous croyez à cela? Amen. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Cet ange qui a parlé frère Branham tout au long de sa vie. Moi, je loue. C'est n'était pas un ange qu'on adore. Et ça là qui moi je lis. Bon je loue. Oh y'a quoi ça? Parce que Dieu s'oppose à l'adoration des anges. Amen. Et cet ange là n'est rien d'autre que la théophanie de frère Branham lui. Moi je loue. On a avalé qui est le comme on se soutient. Kaka et théophanie. Oh y'a comment ça
peut se faire. Frère Branham peut le voir. Mais vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes content la Bible. Jean dit, je regardais dans la vision. Il y avait 24 trônes. Et c'est là qui pensait sur les 24 trônes. Et sur les 24 trônes. 24 anciens. Il s'agit des 24 anciens. Ce sont les 12 patriarches. Avec les 12 apôtres. Les 12 apôtres. Y compris Jean lui-même. Et longo na Yohan et Yemoko. Jean pouvait être là et voir sa théophanie. Yohan a beaucoup de la paix comme la théophanie na yé. Assis sur le trône. Jean est là. Yohan a salé à voir. Voir sa théophanie. Il n'y a pas d'amen à ça. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Je crois que les frères qui sont à l'internet croient ces choses. C'est pour l'édification du corps. Tout le monde n'a pas le même ministère. On peut prendre le même sujet. Mais les détails sont différents. Amen. Alors, je termine mon sujet. Amen. Nous voyons que Abraham envoya quelqu'un pour choisir une femme. Et vous savez que la femme en question c'était Rebecca. C'est la vérité. Et ah, Rebecca était la demi-sœur d'Isaac. Ils étaient des frères. Amen. Et la Bible nous montre. Lorsqu'ils se sont mariés. Alors, Rebecca ne mettait pas au monde. Rebecca a bandé Kobotate. Alors, son mari a imposé les mains sur sa femme. Et la femme a conçu. Amen. C'est force que je vais vous dire. Non.